Bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le créateur, les mains de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de faire. Donc, ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Ici Maître P, le seul et l'unique gardien de la tradition endogène. Avocat des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Je salue bien sûr tous les messieurs qui sont là. Et vous connaissez la petite tradition. Prenez votre petit carnet. Écrivez. Je vais vous donner une recette. Et comme disent certaines qui pensent que Maître P, et je ne sais pas moi, je ne peux même pas qualifier, comme on dit, je n'ai rien à prouver. Plus de 35 ans de métier, je ne pense pas que j'ai quelque chose à prouver dans cette vie. Tout ça se passe dedans. Et j'ai toujours dit, je mets au défi à quiconque qui peut montrer les recettes que je donne. Parce que comme il y a certains qui disent que Maître P prend les recettes dans les livres, ils ont qu'à montrer ça. Et puis nous allons voir. Moi, c'est ça que j'ai toujours dit. Et souvenez-vous, depuis en 2019, novembre 2019, quand j'ai fait les vidéos, qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que tout ce que je dis, je le réitère toujours. J'ai toujours dit, je fais les vidéos pour un temps. Parce que ce n'est pas sur YouTube que je commence ma vie. Je partage ma connaissance et la connaissance pour vous aider. Donc, sur ce, je ne vais pas épiloguer longtemps sur ça. Vous savez, les gens pensent que sur les réseaux sociaux, on peut tout dire, on peut se permettre de tout dire, de tout faire. Mais sachez une chose, celui qui touche l'épée, paye par l'épée. Faites attention, on ne joue pas avec tout le monde dans cette vie. Il y a des pays, quand on les attrape, après tout ce qu'ils peuvent dire, pardon. Il n'y a que le Créateur seulement qui pardonne. Dans ce bas monde, la terre des hommes, il n'y a pas pitié, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas miséricorde, il n'y a pas état d'amitié. Enfin, ça, c'est moi-même, Maître P, qui fonctionne comme ça. Je suis très ouvert avec tout un chacun. Et je profite pour le dire aussi, en même temps, dans cette même vidéo, que les gens puissent avoir les oreilles pour bien entendre ce que je veux dire. Je ne vous ai jamais forcé à commander quoi que ce soit chez moi, ni venir faire des travaux chez moi. Moi, je travaille uniquement avec les gens qui sont corrects, déterminés, qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vous l'ai toujours dit. Moi, mes clients qui me payent pour des travaux, je prends leurs travaux et je m'en occupe. Je ne peux pas vous faire des vidéos souvent parce que j'ai des engagements avec certaines personnes que je dois honorer les engagements. Mais quand même, je ne vous laisse pas quand même tomber sans vous donner des recettes qui sont fiables et que vous pouvez le faire dans n'importe quel pays tout en respectant la loi. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que la loi existe. Mais peut-être que bientôt, ils vont constater que entre la fiction et la réalité, la réalité, c'est ici-bas. Sous ce, je vais vous donner une recette. Vous voyez, ça, c'est une œuf d'autruche. Vous voyez, c'est une œuf d'autruche. Donc, pour que toujours être dans les normes, vous allez chercher une œuf d'autruche. Achetez l'œuf d'autruche. Je ne vous ai pas envoyé aller commettre de délits. Vous voyez, je donne toujours des choses qui sont couettes. Ça se vend. Il y a des endroits où vous pouvez commander ça via Internet. Ça se vend. Achetez l'œuf d'autruche, n'allez pas commettre du délit. Je répète ça, j'insiste sur ça. Je ne vous ai jamais donné quelque chose pour dire allez commettre du délit. Je vous ai toujours dit, faites les choses dans la sécurité. Vous cherchez une œuf d'autruche, ça c'est une recette pour si vous, mesdames ou messieurs qui êtes mariés et que vous voulez, par exemple, vous êtes en train de construire une maison et que vous voulez qu'il n'y ait jamais de problème dans votre foyer, que vous ayez un foyer solide. Vous cherchez une œuf d'autruche, peu importe. Ça peut être des gros comme ça, un peu plus petit. Mais à partir du moment, c'est une œuf d'autruche. Mais le mieux, il n'y a pas de moment pour faire ça. C'est au moment où on est en train de construire la salle, le salon, où vous allez mettre votre salon, les salles à manger. Donc au moment qu'il y a la terre, avant qu'on puisse mettre le béton, ou bien peu importe ce qu'on mettra dessus, vous allez faire un trou. Et vous allez prendre dans les quatre coins de la pièce, vous allez prendre un peu de terre. Mais au milieu de la pièce, de la salle, vous allez creuser un trou. D'accord? Et vous allez faire votre femme et vous-même descendre. Vous allez descendre tous les deux face à l'est, main dans la main. Vous allez vous attraper main dans la main. La femme, l'homme à droite, la femme à gauche. Donc vous êtes face à l'est, tous les deux dans le trou. Vos pieds joints, vos deux pieds sont ensemble. Et vous allez mettre les quatre prises de terre que vous avez pris, les prises de terre que vous avez pris dans les quatre prises de terre. Donc vous mettez dans le trou. Et vous prenez l'œuf, vous l'attrapez à deux. Main droite de l'homme. Et ça va être main droite de la femme. Comme ça, vous l'attrapez à deux.
Et vous allez demander qu'il y ait toujours l'harmonie. Que la même façon qu'on ne peut pas casser neuf d'autruche, personne ne peut casser votre, briser votre foyer jusqu'à la fin des temps. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Yod, He, Vo, He. Je répète, au nom de Yod, He, Vo, He. Et vous prenez l'œuf, vous sortez dans le trou, vous le mettez dans le trou. Vous savez, sous l'œuf d'autruche, c'est un peu difficile d'avoir le côté pointu ou arrondi. Donc, vous le mettez au côté comme ça, comme s'il est couché de travers. Peu importe le sens de la pointe, vous le mettez couché comme ça, vous le mettez dans le trou et vous rebouchez le trou correctement avec de la terre. Et là maintenant, mais quand vous mettez vos pieds, vous êtes nu-pieds parce que les empreintes de vos pieds doivent être dans le trou. C'est très important. Et vous rebouchez le trou correctement avec la terre. Là maintenant, on peut mettre le béton jusqu'à la fin de votre jour. Tant que vous êtes dans cette maison, vivez dans cette maison, vous serez toujours dans le monde. Même si vous faites des enfants, il n'y aura jamais de conflit. Tout ce qui vient de vous, il n'y aura jamais de conflit. Vous n'allez jamais avoir d'embrouille avec votre mari ou bien avec votre femme. Il y aura toujours l'amour. Ne prenez pas l'œuf, c'est une offrande, mais ne le prenez pas juste pour jouer. On ne prend pas les choses pour jouer. On ne le prend pas pour jouer. Ça, c'est, comme on dit, un don du ciel. Et je vous donne des choses qui sont authentique et introuvable ailleurs. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Restons en vie. Pouvoir le